Alors, nous sommes de retour. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir deux personnes du cégep de Matane. Alors, nous avons, voilà, bonjour, bonjour, on a deux nouveaux invités. Alors, nous avons aujourd'hui Sébastien Leblanc, qui est enseignant et coordonnateur du programme en technique d'animation 3D et synthèse d'image. Bonjour Sébastien. Bonjour Alban. Enchantée. Et nous avons Philippe Raté, qui est un étudiant du programme, un étudiant de troisième année et qui est venu en fait parler du programme, en témoigner et nous montrer, je pense, quelques-uns de ces projets étudiants. Alors, bonjour Philippe, merci d'être parmi nous ce matin. Merci à vous aussi. Alors, sans plus attendre, Sébastien, je vais te céder la parole afin que tu puisses nous présenter, en fait, votre programme. Alors, la parole est à toi. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici en ce beau samedi matin pour vous parler de notre programme technique d'animation 3D et synthèse d'image du Cégep de Matane. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est vous donner, bien entendu, un aperçu de quelle est l'expérience Matane, qu'est-ce que c'est venir étudier chez nous. C'est une des raisons pour laquelle Philippe est avec nous. Là, il va pouvoir témoigner de son expérience. Et c'est ça, donc sans plus attendre, je vous inviterai à regarder une petite vidéo qui donne un peu le ton de qui on est. Donc, j'espère que vous avez apprécié cet aperçu, ce petit 3 minutes de vie avec nous au département d'animation 3D, synthèse d'image, bien entendu, du Cégep de Matane. On va passer sur maintenant quelques petites informations pour vous aider à bien situer
notre programme. Bien entendu, le Cégep de Matane se situe en région, à quelques 400 kilomètres, je dirais, à l'est de Québec. Donc ça, c'est une particularité importante, mais qui ne nous empêche pas d'être très, très près des grands centres, d'être près de où se déroule l'action, je dirais, au niveau industriel. Ça n'empêche pas non plus à ce cégep de région d'être quand même très, très bien équipé et d'accueillir beaucoup de gens. Seulement au programme d'animation 3D, là, on est plus de 150 étudiantes et étudiants, bon an, mal an, là, qui composent les trois années de ce programme-là. C'est un programme d'études techniques dans un cégep public, donc accessible vraiment à tout le monde. On a quand même de l'équipement de pointe pour ces 150 personnes-là. On peut compter 5 laboratoires informatiques qui sont renouvelés très régulièrement. On a un cycle d'environ 3 ans pour notre équipement. Là, pour nous, c'est important de dire que les étudiants vont pouvoir travailler sur du matériel qui va supporter, je dirais, leurs ambitions. Nous sommes environ 9 enseignants spécialisés. Nous avons tous notre petite couleur, les enseignants. Par exemple, moi, j'ai de l'expérience en animation, également développement technique, donc des setups de personnages. J'aime bien aussi tout ce qui est procédural, particules, scripting. Donc ça, c'est ma couleur. On a un autre prof qui a beaucoup d'expérience en concept art, matte painting, donc le travail d'assemblage. Et comme ça, là, au travail des 9 enseignants, là, on retrouve et on se partage les différentes spécialités, les différents métiers, dans le fond, du domaine. 4 enseignants contributeurs. Nous avons également des gens du programme d'art pour aller chercher ou pour aller aider l'étudiant à développer le travail avec le crayon. Le travail avec également le médium physique pour bien se retrouver dans l'espace 3D. On démarre ça dans le monde réel avec de l'argile où on va vraiment aller façonner la matière pour se donner une bonne base là, dans la spatialisation. Un technicien en travaux pratiques qui est un aide dans plusieurs cours, ça devient un peu comme un deuxième enseignant. Généralement, là, les classes vont être composées d'à peu près 20 personnes et ce technicien-là intervient dépendamment des années, dépendamment des cours qui en ont plus besoin. Certains cours sont plus techniques, certains cours demandent la répétition de notions. C'est alors que le technicien en travaux pratiques va intervenir de manière quand même assez proche de l'étudiant. Il est accessible également à l'extérieur des cours. Même chose pour tous nos enseignants. Et on a un technicien en informatique qui est bien sûr super important pour maintenir notre parc de plus de 125 postes de travail actifs, fonctionnels, et également nous aider dans la mise en place de notre petite ferme de rendu. Parce qu'on a une petite ferme de rendu, on fait quand même pas mal de pré-rendus au Cégep de Matane. Parlant de discipline, on forme des généralistes, c'est un programme de 3 ans. Qui va vous permettre de développer certaines spécialisations vers la troisième année, mais on va vraiment dans le programme parler des films d'animation, on va parler du jeu vidéo, on va travailler avec les techniques des effets spéciaux, donc la question de tournage, d'intégration. Ces 3 filières-là sont bien sûr bien développées. Le tout dans une pédagogie qui est axée projet. Si vous allez un petit peu plus loin là, à regarder la liste des cours, je ne vais pas rentrer là-dedans ce matin, mais en allant chercher cette information-là, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup, beaucoup d'heures de ce qu'on appelle des laboratoires. Donc, on essaie vraiment d'amener une pédagogie qui est toujours en projet, toujours les mains dedans, là, pas tant dans les grandes théories. Il y a quand même plusieurs concepts, il y a beaucoup de contenu dans ce programme-là. Mais on essaie toujours de faire en sorte que l'étudiant développe ses compétences à l'intérieur de projets, ce qui est de toute façon ce qui va vous attendre par après. La troisième année va être axée sur une spécialisation pendant laquelle vous pourrez choisir vos intérêts et développer votre curriculum, votre portfolio en fonction d'un métier que vous aimeriez faire par la suite. On a quelques exemples ici, modélisation, animation, effets spéciaux, texture, éclairage. Bien entendu, on est ouvert à d'autres choses. Il y en a qui adorent les caméras, donc on va travailler plus de ce côté-là. C'est un programme, lorsque vient le temps de s'inscrire, qui est non contingenté dans le cas du Cégep de Matane, malgré qu'on reçoit plus de demandes qu'il y a d'admis.
généralement, là, on essaie d'accommoder quand même pas mal de monde. On accueille au deuxième tour aussi. Les conditions d'admission, c'est vraiment basé sur les notes du diplôme secondaire. Donc, on regarde vraiment anglais, mathématiques, comment ça s'est passé là-dessus. Et ce qu'on veut surtout regarder également, c'est une lettre de motivation, une lettre d'intérêt. On vous demande un petit texte de 500 mots, un beau paragraphe bien concis qui fait état de ce que vous aimez, de ce qui vous attire dans ce domaine-là, de également de vos passions. C'est un métier, c'est un domaine de passion. Puis, on a des gens là... T'sais, même si vous dites je suis un sportif, j'adore, je joue au football, etc. Même si vous ne dessinez pas, même si vous ne faites pas de photographie ou de cinéma artistique, c'est très correct aussi. L'aspect kinésiologique, ben, en tout cas, moi, ça me parle parce que je suis animateur, puis je joue avec des personnages, on fait de la mocap, tout ça. Donc, cette toute passion, je pense, a son intérêt. La musique aussi, c'est super bon pour le rythme. Je parle encore une fois là, des qualités qui font des bons animateurs. Le taux de placement est quand même très, très intéressant. Bon, ici, c'est des chiffres qui sortent d'analyse de travail, de données avec des retours, bon, avec nos finissants, tout ça. Ça dit 77,8. Bon an, mal an, ça peut ressembler à ça, effectivement. Là, présentement, on est sur une très, très belle lancée au Québec. Le domaine va très, très bien. Alban pourra en témoigner, je suis pas mal sûr. Les studios s'arrachent, les gens de talent. Alors, je pense que toute personne qui veut peut facilement se placer dans ce domaine-là. Pour aider le tout, on a à chaque année une soirée portfolio qui est organisée à même le cégep de Matane. Alors, pour s'assurer que les industriels sont bien au fait de notre réalité, puis je pense qu'elle est appréciée, celle-là, cette soirée de portfolio-là, elle se passe au cégep de Matane, non pas dans les entreprises, dans les studios, et des représentants des différents studios RH qui viennent justement voir qui sont nos talents locaux. Et en même temps, bon, voir un peu qui on est en termes d'équipe, parce que c'est un élément important. S'il y en a qui ont vu nos présentations d'hier avec des anciens diplômés, il y en a que ça fait plus de 10 ans qu'ils sont sur le marché du travail, ils étaient là hier pour parler avec nous. Puis, je leur ai posé la question, qu'est-ce qu'ils retenaient et qu'ils utilisaient encore aujourd'hui de leurs études? C'est beaucoup la gang. C'est les contacts qui se sont faits, même en surface, donc ils finissent toujours par revoir des gens. Alors, de prendre ces 3 années-là pour développer son réseau de contacts, développer ses compétences tranquillement, être plus généraliste aussi, ça a ressorti hier, ça m'a surpris. Mais ce côté généraliste, d'avoir une conscience de ce que font chacune des équipes dans une production, ça semble servir les gens qui œuvrent dans le domaine. Les différents projets, on va aller en regarder quelques-uns, mais on a la chance, ben c'est vrai, on avait une petite vidéo pour vous, une petite minute, on va aller regarder des échantillons de projets. Alors, je vous laisse regarder ça une petite minute. J'espère que vous avez apprécié ces échantillons-là. Bien entendu, ils ont été triés pour démontrer certains éléments là, qui ont été plus faits avec les engins de jeu. On travaille, bien entendu, avec l'engin Unreal. Donc, c'est ce qu'on essaie de mettre de l'avant. Ils sont très généreux dans leur matériel pour la formation et tout ça.
Donc, et c'est bon, ça semble être un standard, bien que dans plusieurs compagnies, chaque compagnie vont avoir un petit peu leurs engins de jeu à eux. Vous avez vu aussi des trucs là où on travaille plus l'éclairage, où on travaille également des notions de compositing et d'intégration. J'aimerais qu'on passe la parole à Philippe, qui avait quelques petits éléments aussi là qu'il pouvait nous montrer, puis nous en parler un petit peu de ce qu'il a fait en deuxième année, puis projet personnel aussi. Je te laisse la parole, Philippe. Bon, bonjour, je me présente Philippe Raté, futur animateur technique. Donc, un des projets que je vais pouvoir vous présenter, ça va être mon court-métrage, qui est un projet que toutes les deuxièmes années font à chaque année. Vous allez faire un court-métrage de 30 secondes tout au long de l'année. Et après, vous allez le sortir, et on va tous le voir dans l'année. C'est vraiment fun. Et le deuxième projet que je vais vous montrer, ça va être une expérience que j'ai fait l'été passé pour analyser et créer une simulation musculaire pour un animal avec Ziva. Donc, je vais vous montrer mon court-métrage en premier. Donc, dans ce court-métrage-là, bien entendu, les étudiants sont responsables de tous les aspects de la production, de la conception jusqu'à l'éclairage et au compositing rendu final. C'est ce qui permet là, de trouver un petit peu sa voie, de dire « Ah, moi, j'ai préféré faire la modélisation, c'est là-dedans que j'étais à l'aise, puis je trouvais que ça coulait, puis j'avais envie de me lancer là-dedans. » Donc, ça permet de faire un petit peu ce choix de métier-là quand on passe au travers du projet qu'on dit intégrateur de deuxième année. Non, je te laisse continuer. Ça, avec ce projet-là, ça m'a aidé à renforcer mon amour du rig. Et techniquement, même l'histoire de mon projet, c'est littéralement comment je me sens au rig, comment est-ce que je suis. OK, j'adore faire du rig, j'adore construire quelque chose, mais des fois, j'ai tout le temps quelque chose qui me frustre et que j'arrive à un moment, je suis comme, je suis tanné, et là, ça commence à marcher, puis t'es comme, la sensation d'un rig qui réussit bien, c'est tout le temps aussi fun. Sinon, à partir d'ici, c'est ça. Ça, c'était une petite simulation Ziva que j'avais faite. J'avais modélisé un crapaud et je l'avais fait des muscles pour qu'on puisse simuler un peu plus réalistiquement son animation et voir comment qu'elle allait bouger. C'est un petit projet que j'avais fait cet été que j'avais vraiment aimé faire. C'est quoi les aspects, Philippe, techniques que tu as développés au travers de ce projet-là? Ça a été de passer par plusieurs niveaux de rig. J'avais le rig normal. En dessous du rig, j'avais les os que j'ai utilisés. Et ensuite, après avoir fait l'animation des os, j'exportais une cache alambic et je le réimportais sur un autre rig d'os que lui avait les muscles qui étaient attachés à ça. Et ensuite, j'exportais les muscles et les os dans une autre de cache dans un autre alambic pour ensuite aller simuler la peau par-dessus du crapaud. Donc, c'est passé par plusieurs étapes et de vérifier que tout allait bien marcher ensemble. C'est genre de programme d'études où, effectivement, il y a pas mal de techniques. Les questions d'assemblage, de casse-tête, je pense que Philippe est là-dedans. C'est sûr que, bon, il y a tous les spectres hein, dans un programme d'animation 3D, synthèse d'image. Le côté généraliste, là, on passe du très artistique jusqu'au très, très, très technique qui se frôle, qui se rapproche un petit peu de la programmation. On en discute de ça. Et c'est un petit peu pour ça là, qu'après la deuxième année, rendu en troisième année, les étudiants vont vraiment se choisir un métier où là, si moi, mon profil est très artistique, j'ai pas envie de parler de rig, j'ai pas envie de parler de script, alors que Philippe aime beaucoup ça. Donc lui, il pourra m'aider. Fait qu'on promouvoir vraiment le travail d'équipe et s'assurer qu'on est très complémentaires dans le projet des troisième années. Donc, si on avance un petit peu là, dans nos diapos, puis pour parler justement du projet de troisième année, qui est un projet réalisé en équipe, en contexte qu'on dit, entre guillemets, là, authentique de production. Alors, généralement, il y a 3-4 enseignants qui œuvrent autour de ce projet-là. C'est un seul gros cours de plus de 20 heures par semaine. Alors, on crée, dans le fond, dans un de nos locales, un studio. Où les étudiants, bon, s'alternent. Ils ont quand même des formations de pointe pour les aider à poursuivre leur apprentissage
d'un métier et ils réinvestissent ces formations-là dans une production d'envergure qui est un 4 ou un 5 ou un 6 minutes que vous pouvez aller voir sur notre chaîne Vimeo. Donc, c'est là que les films sont déposés. Et c'est vraiment une occasion, au-delà de développer des compétences techniques, c'est pour développer des compétences en réalisation de projets ou en production, de comprendre la réalité des modeleurs lorsque je dois faire les matériaux, de comprendre, et vice-versa, que les gens de modélisation comprennent l'implication de leur travail lorsque vient le temps de mettre les matériaux et textures dessus, lorsque c'est le temps d'éclairer, lorsque c'est le temps de rendre le tout à la fin. Donc, il y a plein de considérations d'assemblage et qu'on dit de workflow dans ça. Et des particularités qui ne sont pas nécessairement juste dans la création de l'imagerie. Bien nommer ses fichiers, bien travailler dans un environnement réseau qui est quand même complexe. Alors, tout ça là, vient prendre beaucoup de place en troisième année également, en plus de développer des compétences relationnelles, de dire ben, « je dois livrer mon travail à temps, sinon la personne d'après va devoir attendre, puis on ne peut pas ralentir la production de cette façon-là ». Donc, on travaille vraiment là-dessus en troisième année. Et comme je le disais, là, c'est sans négliger l'aspect technique. Et pour ça, on fait souvent venir également des gens de l'industrie, des conférenciers qui viennent présenter un petit peu leur réalité, puis le niveau là, qui est, on peut dire, avancé là, de chacune des disciplines. Nos liens avec les professionnels sont quand même bien tissés. On aime bien à chaque année aller faire une petite tournée des studios. Généralement, on se rend à Québec. Nos amis de Binox Rodeo sont toujours disponibles pour nous accueillir. Ubisoft, donc on se promène. Vous l'avez vu également dans la vidéo d'introduction. On a été faire un petit tour. Donc, on maintient les liens puis on veut donner aux étudiants l'expérience de voir c'est quoi l'environnement de travail. Même si on est loin, là, on prend les moyens pour y aller. Et on prend également les moyens pour recevoir des conférenciers qui vont venir témoigner de leur réalité. Donc, souvent, ce sont d'anciens diplômés qui travaillent, comme dans l'image qui est ici, là, en haut à gauche, on a Marie-Dominique Bernard qui est groom, donc qui s'occupe de toutes les simulations de poils sur des productions. Là, elle est présentement chez Framestore, si ma mémoire est bonne. Donc, Joël Desrosiers, c'est ça, différents intervenants qui viennent nous parler de leur métier. À la fin de chaque année, lors de la soirée de portfolio, on a généralement une remise de bourse. Nos partenaires du monde du travail sont toujours très, très généreux de leur temps, mais aussi ils viennent donner un petit coup de pouce, ils viennent encourager nos diplômés à poursuivre. Donc, souvent, c'est avec des, bon, soit des accès à des soirées de portfolio ou encore carrément des bourses en argent pour les aider à payer leur nouvelle carte graphique. Donc oui, on a quand même un bel éventail là, de gens qui viennent nous trouver à chaque année et auxquels on a accès même au courant de l'année lorsque des gens ont des questions ou lorsque c'est le temps d'avoir des conférenciers pour venir parler vraiment du métier. Je vais poursuivre brièvement la destination Matane, plus en détail. On est loin, on est en région, mais ça n'empêche pas qu'on est très, très tourné vers la technologie. Ça nous confère également certains avantages là, que je vais décrire rapidement. Le CEDRIN, qui est le Centre de recherche en intelligence numérique, offre des stages rémunérés d'une dizaine d'heures. Des fois, là, on a une belle entente avec eux pour faire en sorte que nos étudiants ne travaillent pas trop non plus. Parce que bon, parfois, ce sont des tâches un peu plus redondantes. Puis une fois qu'on l'a maîtrisé, ben, c'est facile d'en faire plein. Mais on essaie justement de limiter pour que le travail soit fait plutôt côté portfolio et développement. Bien terminer le programme. Il y a également la possibilité, là, lorsqu'on a assez d'inscriptions, de démarrer une attestation d'études collégiales en capture de mouvement. Ça s'est donné quelques années. Ça fait 2-3 ans qu'on n'a pas eu assez de monde parce qu'on avait plus de gens en modélisation et tout ça. Mais on aime bien aller de ce côté-là, capture de mouvement. Encadrement personnalisé, bien qu'on soit quand même 150 au programme,
étudiantes, étudiants. Dans le cégep, c'est un petit peu plus de 600, ce qui veut dire qu'on a quand même une belle structure d'encadrement au niveau administratif, au niveau psychosocial, au niveau des activités également. Là, on a tout le parascolaire est quand même important, qu'on pense aux équipes de sport, mais on peut même penser à l'implantation du e-sport. Je ne sais pas si Philippe, toi, tu as été un peu... tu as intervenu dans le e-sport? Non, je n'avais pas vraiment d'intérêt. J'aime jouer, mais j'aime pas tant jouer compétitif. Ouais, ça devient difficile rapidement. Ça demande quand même un bon niveau. Mais on a plusieurs de nos étudiants, oui, qui font partie de l'équipe, les capitaines en e-sport dans la ligue collégiale et universitaire, en Overwatch, Rocket League. League of Legends, League of Legends aussi. Ouais, que vous pouvez voir sur Twitch là, si vous cherchez les capitaines de Matane. Accès aux studios, on a des studios de tournage, fond vert, tout ça, accès à l'équipement. Les étudiants sont autonomes là-dedans. DECBAC avec l'Université du Québec en Abitibi, Témiscamingue, campus de Montréal, qui je crois vont être sur scène cet après-midi, si je ne me trompe pas. Voilà, donc la possibilité, là, lorsque le DEC est terminé, vous êtes diplômé pour les poursuites d'études universitaires, ça vous permet d'atteindre un baccalauréat en, c'est pas game design. J'ai un petit blanc, mais vous irez assister à la conférence de l'UQAM. Ils vont en parler de leur programme. Bien entendu, ça vous permet d'atteindre un baccalauréat en 2 ans. Donc, il y a pratiquement une année universitaire qui est créditée lorsque vous êtes passé par le DEC au Cégep de Matane. Également, Campus ADN, qui est aussi à Montréal, qui offre des AEC spécifiques aux jeux vidéo. Level design, quelque chose qu'on touche un petit peu moins dans le DEC. Donc, on en parle en surface, mais les gens qui veulent vraiment s'en aller, level designer, Campus ADN, très intéressant pour la poursuite. Donc, on a des bons liens avec eux. Bien sûr, là, plus de, je dirais, 70% de nos étudiants viennent de l'extérieur de la région de Matane. Alors, les résidences, c'est important. Service de transport, on a des petites navettes en ville pour permettre d'aller épicerie, tout ça. J'en ai parlé tantôt, service adapté, mesures d'aide. Ça, c'est toujours important de bien se sentir en tout moment. On en parle de plus en plus des aspects d'équilibre, travail, études, vie personnelle. Donc, on y va là-dedans. Vie étudiante, j'en ai parlé aussi. Environnement nature, ça, c'est quelque chose qui fait vraiment contraste avec la grande ville, si je peux dire. Donc, ce côté inspiration, ciel, étoile, tout ça, là, on est vraiment là-dedans. Avec à proximité là, les grands parcs de la Gaspésie, parc du Bic, la mer, le fleuve, tout ça. Fait que c'est quand même intéressant. Et pour terminer, là, on est une petite communauté, mais une grande famille. Les gens se suivent, les gens se reconnaissent, les gens se voient dans la rue, dans les hubs de studios. Reste que le domaine industriel de l'animation 3D, c'est beaucoup de joueurs. Tu sais, Alban pourrait sans doute nous le dire de manière un petit peu plus précise combien il y a d'employés, mais c'est quelques dizaines de milliers de personnes. Et malgré ça, au travers de cette foule, ben, les gens de Matane finissent toujours par se retrouver, se reconnaître. Se rencontrer même après. Ah tiens, t'as étudié à Matane, puis là tout de suite il y a des liens, puis il y a un petit quelque chose qui résonne avec cela. Donc j'en parle un petit peu là, les postes occupés par les finissants, les diplômés en animation 3D, artistes 3D, on le voit beaucoup, d'environnement de personnages. Alors différents postes qui sont en lien avec la spécialisation qui aurait été développé lors de la 3e année. Et c'est ça, Philippe se situe, on ne l'a même pas mis là-dedans, technicien, ouais, direction technique, probablement commencé assistant TD, puis travailler à différents setups de personnages. En tout cas, on te le souhaite, t'es bien parti pour. Pour nous retrouver sur le web, chaîne Vimeo, Facebook du programme, vitrine virtuelle, une bonne façon de nous retrouver, tapez A3DSI. Si vous regardez en haut à gauche, là, dans l'écran, vous avez le petit acronyme A3DSI. Vous allez tomber sur nous autres quand même assez rapidement. Donc, on espère que vous avez apprécié cette petite présentation. On avait quelques minutes pour des questions. Je ne sais pas s'il y avait des trucs dans le chat. Merci beaucoup.
pour cette belle présentation, Sébastien, Philippe. J'ai pas vu de questions dans le chat, mais moi j'en ai. Super, merci. Il y a toujours des questions. Moi, je trouve ça toujours très intéressant, ces présentations de programme. Et puis je prends toujours plein de notes. Alors, je savais qu'effectivement, il y avait le Cédrin là qui est à côté de vous. Et il y a combien, ils prennent à peu près combien de stagiaires chaque année? Est-ce que c'est de manière récurrente? Quand même, généralement, ça tourne autour d'une quinzaine d'étudiants. Ouais, c'est super ça. Puis ça, c'est vraiment des programmes, c'est vraiment des stages en recherche et développement, ouais. Hein, plus. Exact. Hein. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ouais. Présentement, je ne sais pas à quel point je peux dévoiler d'éléments, ouais, mais effectivement, ils ont eu besoin récemment de gens en texture, en surface, un peu en modélisation aussi. Tout à fait. À fait. Puis, il y a des aspects très intéressants. Puis moi, je m'adresse surtout aux jeunes là, qui nous regardent. Bon, on sait que la création 3D, l'image de synthèse est un aspect qui est à la fois artistique et très technique. Et de plus en plus technique parce que c'est l'apprentissage effectivement de logiciels au pluriel. Je me posais la question parce que tu m'as un peu tendu la perche tantôt, puis j'avais l'impression que tu disais, puis arrête-moi si je me trompe Sébastien, qu'il y avait quand même certaines spécialisations qui étaient quand même plus artistiques en fait que techniques. Est-ce que je me trompe ou pas? Est-ce que, admettons, si je prends technicien en éclairage, en texture ou en simulation de poils, on a nommé ça tantôt, versus des animateurs ou des modeleurs ou des gens qui sont plus, c'est en matte painting, donc en, ceux qui font des environnements. Est-ce qu'il y a des spécialisations qui amènent vraiment plus, on va dire, une fibre artistique versus vraiment un côté un peu plus, je dis ça geek, mais vraiment plus technique, voire un peu plus même de programmation. Tu en parlais tantôt, je pense que c'est l'Institut Grasset qui parlait de programmation nodale où tu prends des bouts de code puis tu fais du copier-coller, mais parce que ça, c'est vrai que c'est pas tous les étudiants quand même qui sont hyper techniques, puis ils se disent, moi j'ai envie de travailler en création 3D, mais du coup, qui vont vouloir tout de suite abandonner parce qu'ils pensent qu'ils sont pas assez techniques. Alors moi, je voudrais juste qu'on donne un message à ces jeunes-là pour pas qu'ils abandonnent tout de suite. Et voir s'il y a une possibilité pour eux de quand même, s'ils ont un profil un peu plus artistique, qu'il y ait des possibilités de carrière pour eux quand même. Tout à fait. C'est sûr, bon, on s'entend, ça prend un minimum d'aisance avec le médium informatique. Avec l'ordinateur, ça devient l'outil principal de travail, mais plusieurs métiers, bon, c'est juste un gros crayon, là, complexe, un ordinateur sans plus, reste que le ressenti derrière les pièces qui vont être travaillées. La communication qui est nécessaire derrière les pièces travaillées va quand même être super importante. Bien sûr, les gens qui vont travailler à l'animation vont devoir avoir un petit peu plus cette fibre artistique, ce ressenti, ce travail de l'observation du mouvement. Oui, il y a une part qui est très mécanique, mais dès qu'on entre un petit peu dans l'intention, dans le jeu d'acteur, là, c'est vraiment plus l'artistique qui parle. Bien entendu, dans des aspects comme créer des environnements, au départ, bon, souvent, ce sont les commandes qui vont venir. Les jeunes ne seront pas nécessairement en set dressing tout de suite et à placer et s'assurer de la direction artistique. Mais je pense, à force de travailler puis continuer de démontrer une finesse dans son travail, un niveau d'observation, une attention aux détails, et là, on tombe dans quelque chose qui est un petit peu plus artistique, puis de bien répondre toujours à l'aspect de communication. Si je dois travailler un bouclier qui appartient à une telle classe de personnages, bon, j'aurais pas toujours le concept art exact, j'aurais pas toujours... Donc, c'est vraiment de créer, mais à l'intérieur d'une certaine contrainte, il va falloir que je comprenne le personnage, il va falloir que je comprenne dans quel environnement il évolue, quels sont les matériaux à sa disposition, et là, je vais pouvoir exprimer ma créativité puis mon côté artistique à l'intérieur de modélisation, matériaux, une fois qu'on a maîtrisé, je pense, les outils, après, c'est important d'avoir un sens artistique aiguisé, un sens de l'observation et du détail qui est bien développé. Puis je pense qu'il y en a partout de ça. Même les gens qui sont hyper
techniques qui vont travailler des rigs de personnages, ils doivent avoir un côté artistique, un côté créatif pour arriver à répondre à un paquet de contraintes, mais réussir à bien faire, je dirais, le travail, l'amener même un petit peu plus loin, l'amener à un niveau où c'est ça, où on dépasse, où on transcende un petit peu l'aspect qui est purement mécanique des choses. Tout à fait. En fait, je pense que c'est ça qui fait en sorte que tu deviens un artiste complet, finalement. Oui. Et je te vois hocher la tête. Philippe, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter par rapport à ce que Sébastien dit, par rapport à ton expérience en tant qu'étudiant? Pour mon expérience, surtout comme moi, avec ma spécialisation, je suis totalement d'accord que oui, il y a des aspects plus techniques, comme moi en rig. C'est normal, c'est technique. Il faut que tu se vérifies que tout fonctionne bien ensemble. Parce que encore tu es plus artistique, c'est comme, OK, il peut y avoir des petites erreurs par endroit. Puis des fois, tu peux le corriger avec un peu plus le peaufiner. Mais des fois, dans le rig ou dans les aspects plus techniques, il faut vraiment que tu trouves la solution qui va bien marcher. C'est vrai que c'est des techniques, mais la variété, c'est ce qui rend le programme intéressant. On peut voir du monde qui sont passionnés par chacun de leurs différents aspects. C'est ça qui va être cool de voir ça. Super, merci beaucoup. Puis une autre de mes questions, c'est par rapport à la spécialisation. Souvent, on découvre naturellement sa spécialisation parce qu'on est bon dans quelque chose. Est-ce que ça arrive quand même qu'il y ait des étudiants qui soient bon ou moyennement bon dans quelque chose, puis que finalement, ils ne savent pas trop dans quoi se spécialiser? Comment ça se passe finalement quand un étudiant n'arrive pas à choisir sa spécialisation parce que il y a pas une spécialisation dans laquelle il est meilleur qu'une autre? Est-ce que ça arrive de temps en temps? Et comment on aide alors cet étudiant-là à choisir sa spécialisation? C'est une bonne question. Bien sûr, c'est beaucoup du cas par cas dans ces situations-là où les étudiantes et étudiants, bon, parfois, on peut les orienter dans un parcours à la rigueur plus généraliste. Mm-hmm. Donc, ils peuvent quand même continuer de suivre des ateliers de plus d'un cours, de plus d'une discipline, en fait. Je vais essayer de le résumer, mais c'est un concept qui est un petit peu complexe. Là, c'est 25 heures en studio. À l'intérieur de ça, les enseignants se relaient et donnent des formations, des blocs de formation avancés. Alors, même si j'ai choisi de me spécialiser en modélisation, je peux quand même aller écouter ce qui se passe du côté de l'animation, essayer de faire les petits exercices qui sont amenés, puis il y a peut-être un moment Eureka là-dedans qui va se passer. Ouais. Puis, là, on change de branche ou encore on décide d'en avancer deux en même temps en parallèle, de dire j'avance en éclairage, compositing et modélisation texture. Il y a des matériaux, il y a des disciplines comme ça qui se chevauchent, qui se complètent bien. Alors parfois, on peut définitivement accommoder, puis on les connaît. On les connaît les jeunes qui partagent leur cheminement avec nous, ce qui fait qu'à un moment donné, on le voit s'ils sont un bon match, je veux dire comme ça, là, envers un métier ou un autre, puis on les aide là-dedans. Souvent, on va aller voir même à l'extérieur du programme. Qu'est-ce qui les branche? Est-ce que c'est la lecture? Oui. Est-ce que c'est d'observer des oiseaux? Ça va être différent. Là. Est-ce que c'est la photographie? Est-ce que c'est ça? Donc, quelles sont un peu les passions connexes et les expériences de vie qui vont venir enrichir un petit peu ce côté artistique-là? Bien sûr. Ouais. Ça, c'est très important. Alors, les jeunes là qui nous regardez, vos passions aussi connexes là, sont vraiment, vraiment importantes pour venir enrichir votre portfolio. Alors, merci beaucoup Sébastien, merci beaucoup Philippe. Bonne fin de parcours. Je te souhaite plein de bonnes choses et de trouver en fait un emploi et de continuer ta passion. Alors, à très bientôt. Merci, Alban. Au revoir. Et nous, on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine conférence. Je pense que c'est à 12h45. Ou alors un peu plus tard. Attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Ça va être... oui, c'est 12h45.